Chaque année, je fais un nouveau voyage, une nouvelle découverte de quelques endroits en Europe où la biodiversité subsiste. Cette année, c'est l'Espagne, l'Extrémadour, Las Villuercas. Ce sont de petites montagnes couvertes de vergers en fleurs, mais aussi avec des petites falaises. En avril, des fleurs, des papillons, des oiseaux. Mais aussi des troupeaux qui attirent et font vivre des milliers d'insectes, qui eux-mêmes nourrissent énormément d'oiseaux. Avec mon véhicule, je suis leurs traces et profite de chaque instant. 2 semaines en pleine nature. Le sol est très imperméable et les dernières pluies sont encore là dans des cuvettes. Au pied des montagnes, c'est la steppe. Il n'y a pas d'arbres. La huppe a besoin de cavités pour abriter son nid. C'est donc là, dans un tas de cailloux, qu'elle va s'installer. Et c'est un balai incessant. Des deux parents, les larves de courtillères au bec pour nourrir la nichée. Mais pour avoir un peu d'herbe, les bergers ont fait beaucoup de tas de cailloux. Et là, c'est un couple de chouettes chevêches, presque totalement insectivores, qui se fait des papouilles. Un accouplement. Avant le lever du jour, je m'installe plus près, caché dans un affût. Elles sont là, un peu intriguées par la masse de l'affût. La femelle cherche le bon endroit pour déposer ses œufs. Le mâle guette et sait que le danger vient d'en haut. Mais tout le monde ne peut pas nicher dans des tas de cailloux. Il y a beaucoup de petites fermes abandonnées. Elles abritent un nombre impressionnant d'espèces.
Sous un porche, c'est près de 50 couples d'hirondelles de fenêtres qui ont bâti leur nid. Et sous les quelques tuiles qui restent, ce sont des faucons cresserellettes, totalement insectivores, qui se sont installés. Mais il y a aussi un couple de huppes et des craves à bec rouge. Étourneaux, guêpiers, trachéoreillards, tous ces oiseaux ne seraient pas là sans les troupeaux. Mais il y a aussi quelques champs de céréales et, au milieu, des jachères. Un oiseau se glisse dans les herbes sauvages, le dicnème criard. Il avance tout doucement, se glisse comme un serpent et rejoint son nid, au sol, entre deux mottes de terre. Mais au-dessus de ces plaines sèches se trouvent des petites montagnes magnifiques, Las Viluercas. Les rapaces ont besoin de ces falaises pour nicher et le garde-manger est en plaine. Ces vautours ont certainement repéré un mouton mort et ils se passent le mot pour effectuer leur travail d'équarisseur. En peu de temps, c'est une centaine de vautours qui arrivent. Il y a même un aigle royal qui prend part au festin. Mais il n'y a pas que le royal. L'aigle beauté est un redoutable chasseur de pigeons. Il se sert et mange d'abord copieusement.
Puis, quand sa proie sera plus légère, il ira apporter le reste à sa femelle qui couve non loin dans un pin parasol. Sur les sommets rocheux, d'autres splendeurs, le merle bleu. Et l'aigle de Bonelli. Las Vilhuercas, cette splendeur, je reviendrai la voir.